voici un documentaire choc sur l'écrasement de l'OVNI à Pointe-au-Père. Ici Adrien Lablanx pour le réseau ABC. Fait que c'est ça, moi et les boys, on venait juste de finir de dîner. Moi, je filais pas, fait que je décidais de retourner dehors. C'était à peu près 1h30 de l'après-midi, puis me semble la journée s'enlignait bien. Fait que je me mets à bûcher sur ma terre à bois, puis je te vois une de ces belles perdrix, là. Ih, qu'elle était belle. Ah ouais, des perdrix de même, ça, c'est rare que j'en avais pas vu une belle de même. Fait que je prends ma carabine, je m'enligne, je l'ai dans ma main, je pars pour la tirer. Juste avant que je la tire, une lumière, elle m'a aveuglé, ben raide. Pendant 2-3 secondes, je voyais rien. Puis en même temps, j'ai entendu un de ces sons-là. Je te dis, j'étais sourd puis aveugle en même temps. Ça avait pas de bon sens. Fait que, après ça, mon instinct de chasseur regarde à l'horizon. Ça sentait le brûler, mon homme. Excusez-moi, là, j'ai besoin de 2 secondes. Bon, je m'appelle Mike Dick, j'ai 36 ans. Je suis astrologue depuis 20 ans. J'ai suivi mes études à Harvard aux États-Unis il y a de ça 16 ans, voilà. Et j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat par la suite, ensuite un simple post-doctorat, et j'ai suivi ensuite avec un autre doctorat en astrologie, plus précisément sur le système solaire. Et donc on pourrait dire que je suis un expert dans le domaine. Premièrement, j'ai été engagé par la NASA il y a de ça au moins une dizaine d'années, et j'ai gravi les échelons avec une facilité assez impressionnante, c'est-à-dire j'ai commencé au bas de l'échelle et maintenant je suis rendu directeur du secteur extraterrestre, qu'on pourrait dire, extra planète Terre, comme on pourrait dire. Voilà, maintenant j'étudie les ovnis et c'est voilà. Bon, je suis venu au Québec, bien sûr, j'habite en France depuis de nombreuses années, en correspondance toujours avec la NASA, bien sûr. C'est ça, le gouvernement du Canada m'a appelé, m'a contacté et m'a tout simplement dit de venir sur les lieux d'un phénomène étrange. En effet, il y a de ça quelques jours, le 1er décembre dernier. Alors j'ai été appelé pour regarder un ovni qui s'est écrasé dans le champ de Pointe-au-Père. Alors, il est vrai que cette question s'impose étant donné les nombreux canulars dans le domaine des extraterrestres et des ovnis. Celui-ci me semble très 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 intéressant et très 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 vrai, comme on pourrait dire. Tous les éléments qui composent la matière recueillie sur les lieux de l'accident prouvent en fait mes propos. Ces éléments ne sont pas terrestres, ils sont donc d'une autre planète. C'est assez étrange comme phénomène, parce qu'on voit ça très rarement. Je ne dirais pas un Roswell 2. Le Roswell, les débris ont été pris, mais la majorité ont été perdus. Donc les informations de Roswell sont un peu floues. Désolé, je vais répondre au téléphone si c'est un problème. Oui, professeur Mike Dick. Oh, bonjour, monsieur Smith. Ça va? Oui, bien sûr. Vous avez eu les informations sur la soucoupe que je vous ai envoyée? Oui. Allez, dites-moi. C'est très intéressant. Oh mon Dieu, c'est pas... Une météore non connue. Elle viendrait de la fameuse planète Xernon. Oui, Xernon, oui. Du système solaire adjacent au nôtre. Oui, oui. Ah, c'est pas possible, je dois tout refaire mes calculs. Je te rappelle dans 2 jours. Oui. Désolé, l'entrevue est terminée, j'ai pas le temps, tu vois. Arrête cette caméra, s'il te plaît. Que c'est ça, je suis allé dans mon champ en arrière... constater qu'est-ce qui s'avait passé. Je te dis, j'ai vu... Tu sais, c'était pas gros, là, mais c'était un grand ben noir qui était en train de brûler. Hey, au début, je pensais que c'était une joke. Je pensais que c'était réel qui envoyait ses troupes. Là. Bon, je me suis dit que non, là. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. En plus, tout de suite après, un grand vert sauve de la soucoupe. Il s'en va, il part à la course. Je comprenais plus rien, moi. Fait que c'est ça, là, ça avait pas d'allure, pas une seconde. Moi, j'étais découragé.
Puis là, c'est ça, il y avait la patente verte qui courait dans le champ. Et moi, j'y voulais attirer. Je me suis aperçu que j'avais laissé mon 12 à la corde de bois. J'étais en tabac. Fait que là, bon, première affaire, premier réflexe, appelle les polices. Bon. Mais pas rien que ça, là. Mon chat est en train de brûler en arrière, moi. Appelle les ambulances. Le chat ben noir, mon ami. Je m'appelle Allannne T.O, maire de Pointe-au-Père. 5 fois membre de l'équipe d'étoiles et l'équipe de cricket de la ville de Pointe-au-Père et 2 fois joueur par excellence des séries de cricket. Je suis maire de Pointe-au-Père depuis maintenant presque 5 ans et à vrai dire, c'est la première fois que je suis fier d'être maire de cette municipalité. Eh bien, je comptais m'ouvrir un restaurant, le Galaxy. J'ai pensé à un petit truc conceptuel. Et à vrai dire, on servira des repas spatiaux. Bon, trêve de plaisanterie. Je crois aussi que, puisque nous avons fait un musée de la mer à cause du naufrage de l'Empress of Ireland, je crois que ce serait une bonne idée d'ouvrir un musée de l'espace pour l'écrasement de l'OVNI. Nous exposons les débris, et si nous trouvons quelques cadavres d'aliens, nous les exposons aussi, et nous chargerons un petit prix d'entrée. Je crois que l'écrasement d'un OVNI à Pointe-au-Père apportera beaucoup à cette ville. Elle ne sera pas vue seulement pour son phare, ou son musée de la mer, ou son club de golf marécageux. Non, ce sera une ville internationale qui sera reconnue pour ses ovnis et même encore plus connue que Roswell, j'en suis sûr. Alors bonjour. Voici une vidéo amateur exclusive tournée le jour de l'accident. La petite municipalité de Pointe-au-Père. Ici derrière moi, nous avons le phare de Pointe-au-Père. Donc un très beau monument qui représente évidemment la petite municipalité qui se trouve près de Rimouski. T'as-tu vu ça, Véla? On s'attache, je te veux tout le monde à tes côtés, man. Ça va aller vite, tout le monde? Tu sais ça? Hey, Dieu! On fait l'accident! Ok, on est parti, viens, tout Ah, c'est de la merde! Non, mais pas ça, mais ton pas. Non, mais. Allez, vite! 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 Canular ou écrasement véridique, seul l'avenir nous le dira. Alors, ici Jeff Adriana Blanks pour le réseau ABC. Merci tout le monde. Shawty, if you love me like you love some, you can't find your way without me, way without me. Then you won't wake up one day when I'm gone, thinking, why did you doubt me, why did you doubt me? But you got to believe me and take it to the top. You got to believe me and take it to the top. We'll take it to the top. Amazing, why would I play you? Not only showered you with gifts, I bathed you. Plus I hit the first night and I stayed too. I know it's early but I just thought I'ma cage you. Hey you, know that I'm willing and able. You can tell from all the presents that I gave you. Still you, be acting like you're so unfaithful. You swear I'm f***ing on a rendezvous.